IPCOM, lycée et prépa aux écoles de commerce, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, épreuve économique, sciences et sociales, série ES, un sujet de dissertation. Dans quelle mesure l'action des pouvoirs publics est-elle efficace pour lutter contre les inégalités ? Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, pour ce sujet, quelle introduction possible ? Il était intéressant, dans une première partie d'introduction, de parler de l'économiste landais qui a montré que la France, entre 1998 et 2005, avait connu une hausse des salaires moyens de 90% pour les salariés les moins bien payés et de 4% pour les 0,01% les mieux payés en France. D'autre part, depuis le 19e siècle, le niveau de vie des pays développés à économie de marché s'est amélioré et le revenu par tête a été multiplié par 20 en deux siècles. Les inégalités de revenus ont augmenté durant la révolution industrielle et sont faibles au XXe siècle, conformément à la loi de Kuznets. Au cours des Trente Glorieuses, on insiste à un recentrage autour de la classe moyenne. Et il est intéressant ici de citer l'économiste Piketty et son livre « L'économie des inégalités » 1997, qui montre que l'écart entre les revenus des 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres dans les PDEM est presque trois fois plus faible qu'au XXe siècle qu'au XIXe siècle. Ça, c'était votre intro, la première partie. Alors, en première partie, il était possible d'interroger la vision keynésienne de l'économie et qui justifie l'action de l'État pour réduire les inégalités. Alors, à cet égard, il y a les multiplicateurs keynésiens que nous pouvions citer ici. Nous pouvions aussi citer Kahn, l'économiste qui a repris un des multiplicateurs pour montrer les conséquences sur la réduction des inégalités. Et puis, la loi de Peacock et Wiseman qui ont montré l'accroissement des dépenses publiques au cours du XXe siècle. Après, dans un deuxième temps de la première partie, il était possible d'apporter certains exemples et une vision plutôt historique du problème. Alors pour cela, on peut commencer avec l'Angleterre pendant la révolution industrielle et le Spinland Act, un impôt négatif pour ceux dont les ressources sont minimum, puisque à l'époque, le devoir des États est de faire travailler la population. On peut citer aussi les lois sociales de Bismarck en Allemagne, en 1833, l'assurance maladie, ainsi qu'en 1889, l'assurance vieillesse. D'autre part, en 1919 en France, nous avons la loi sur les RTT, mise en place par le gouvernement français, grâce à une amélioration de la productivité, 48 heures par semaine. Ça, c'était la première partie. En deuxième partie. Alors, en deuxième partie, nous pouvions porter notre attention sur la vision plutôt libérale de l'économie, puisque pour les libéraux et particulièrement pour Malthus ou Friedman, l'État ne peut pas réduire les inégalités. L'action de l'État va à l'encontre du fonctionnement du marché et ainsi toute hausse de salaire, puisque il faut le savoir, les inégalités sont au niveau des salaires, fausse toute la concurrence et le fonctionnement de l'économie de marché. Après, il était aussi intéressant de parler des destructions créatrices de Schumpeter dans Principes d'économie et dans Business Cycle, dans lequel il montre que certaines destructions dues à des innovations et des grappes d'innovations, comme il dit, conduisent à des inégalités, mais qui vont se transformer en future croissance économique. Ça, c'était la deuxième partie. Enfin, troisième partie, plus rapidement, avec la conclusion dans la foulée. Alors, en troisième partie, je me suis intéressé à un ouvrage de Pierre Rosanvallon qui décrit les trois crises de l'État-providence. Donc, d'une part, la crise financière avec la montée des déficits, contraction des recettes et dérive structurelle des dépenses, avec notamment les dépenses de santé, sujet d'actualité. D'autre part, crise d'efficacité avec les limites de la logique assurantielle, nouvelle pauvreté et étatisation. Et enfin, une crise de légitimité, menace de compétitivité et inégalité face aux classes touchées. Et en conclusion ? Alors pour conclure, on peut citer le rapport de Louis Gallois
en 2012 qui prône un pacte de compétitivité pour, d'une part, améliorer la condition des travailleurs et améliorer la situation économique. Mais en 2013, Thomas Piketty remet en cause la loi que nous avons vue en introduction, la loi de Kuznets, et montre que les inégalités, au contraire, s'accroissent avec le temps et avec la mondialisation. Cher professeur, merci beaucoup. D'autres merci. Corrections écrites sur mcetv.fr. À bientôt. IPCOM, lycée prépa aux écoles de commerce, vous a présenté les corrigés du bac.